Bonjour Louis. Comment va? Il paraît que vous êtes le dernier cristallier en Belgique, c'est vrai? C'est vrai, oui, oui. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Oui, 75 ans. 75 ans? Oui. C'est excellent. Bon, vous allez montrer comment faire un flacon. Moi, j'ai réalisé un flacon. On commence par aller chercher les couleurs. Il faut chauffer la pointe de la canne pour que le cristal colle sur la canne. D'accord. Et puis, voilà. Le principe, c'est de tourner toujours. D'accord, ah oui. Toujours tourner la canne. Que ce soit homogène. On est à combien de degrés là à l'intérieur? Environ 1000 degrés là. On va éviter de mettre sa main. Hein. Ça dépend ce que vous aimez, si vous voulez des nouveaux gants. Bon, si j'ai bien compris, à plusieurs reprises, on va faire des allers-retours. On va chercher du cristal, et puis je le travaille un peu, on le réchauffe, je retravaille un peu, on le réchauffe, et on va peut-être faire ça 10 fois. Hein. C'est quoi? C'est pour refroidir, pour remettre la pièce à 900 degrés, pour ne pas. Je vais aller rechercher du cristal chaud, pour ne pas qu'elle bouge. Une petite fois dedans. Hein. Vous essoufflez là maintenant? Et puis tu souffles. Hein. Je vais essayer. Ah oui, ça le fait grossir. Oui, voilà. Je croyais qu'il fallait souffler pendant plusieurs minutes. Oh non, non. S'il fallait faire ça, je ne serais plus ici. Hein. Tu souffles? Oui. Ça va là? Donc là, on donne la forme à notre flacon. Le flacon sera rond avec un petit col pour mettre le bouchon. Un peu plus fort. Voilà. Donc là, en fait, ça refroidit. Il va refroidir jusque demain soir. Pendant 24 heures? Pendant 24 heures, il va degré par degré. S'il va trop vite, ça explose. On peut voir à quoi ça ressemble quand c'est fini? La grande difficulté pour faire les flacons en parfum, tu vois, le bouchon doit bien... De bien tenir dedans. Oui. D'accord. En tout cas, superbe travail. Oui. Défi réussi, on peut le dire. Réussi, hein. Oui. Avec ton aide, ça a été tout seul. Hein. Ouais, défi réussi, je te ramène le flacon dans 24 heures du coup.